Marche de l'opposition à Kinshasa, Félix Tshisekedi crache sur la mémoire de son père, Étienne Tshisekedi, l'effet Étienne Tshisekedi. Voilà ce qu'a déclaré le président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, après avoir été gazé violemment par la police durant leur manifestation ce samedi à Kinshasa. On l'écoute. Que pensez-vous de la manière dont la marche a été réprimée par le régime Tshisekedi? Je suis très étonné que ce soit Félix qui fait des choses comme ça, parce que ces militaires ont été envoyés par M. Tshisekedi. C'est vraiment très triste. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a la démocratie dans notre pays. Mais vous savez que la roue tourne, c'est le plus important. Nous allons nous battre parce que nous avons le droit de sauver ce peuple, le peuple congolais. Donc pour moi, Félix Tshisekedi a échoué sur le plan démocratique. Il doit, je crois, se ressaisir. Ce qu'on est en train de nous faire ici, nous ne sommes pas au Kosovo, ce n'est pas pendant la Deuxième Guerre mondiale. De balles réelles et tirées sur les paisibles citoyens. Nous ne serons jamais d'accord. Je me pose la question là où son père est. Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Est-ce que ces Congolais qui cherchent à améliorer leur vie, c'est un péché dans notre pays? Je crois pas. Président, on vous empêche. Est-ce que vous promettez de continuer les activités? Merci à